Bonjour et bienvenue sur miseenforme.ca. Mon nom est Charles Montagne, entraîneur personnel, et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un exercice, encore une fois, à ne pas faire au gym. Un exercice qu'on voit souvent dans les livres ou les programmes d'entraînement pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi c'est plus pour les femmes que pour les hommes, mais c'est souvent donné pour les femmes pour travailler les fessiers et également le bas du dos. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas le faire et quel exercice que vous pourriez faire pour faire exactement la même chose ou presque. Je vous montre ça tout de suite. L'exercice s'appelle le Good Morning. Vous allez mettre la barre sur vos épaules comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer votre menton, sortir les épaules vers l'arrière, sortir les fesses et descendre comme ceci en avant et remonter. Donc, vous faites ça comme ceci et on remonte. Ce que ça va faire, on va avoir une extension de la hanche ici et également le dos qui se redresse. Donc, on travaille à la fois les fessiers et le bas du dos. Le problème avec l'exercice, c'est que dès que vous voulez mettre un poids imposant, c'est probablement pour la raison pour laquelle on ne le donne pas aux hommes, dès qu'on veut mettre un poids imposant, on a la charge qui nous roule dans le cou, comme ceci, et qui vient très inconfortable et douloureuse pour le cou. L'autre chose, c'est que ça met un petit peu trop l'emphase. Souvent, les gens ont le dos courbé et des fois, c'est recommandé aussi par certains entraîneurs de garder les jambes bien droites et les gens ont tendance à se courber le dos lorsqu'ils font l'exercice. Donc, un bon exercice pour faire exactement la même chose, mais sans l'inconfort au niveau du cou, c'est de faire le deadlift. Au lieu d'avoir la barre sur vos épaules et dans votre cou, ce que vous allez faire, c'est tenir la barre devant soi et vous faites exactement la même chose. Donc, vous descendez juste en bas des genoux et vous remontez comme ceci. Avec une prise comme ceci, vous allez être capable probablement là, de tenir dans vos mains là, jusqu'à 100-150 livres facilement si vous êtes une femme et un homme. Je pense que le record mondial est au-dessus de 1000 livres. Donc, vous n'aurez pas l'inconfort au niveau de votre cou et vous allez pouvoir tenir ça comme ceci. Et c'est un excellent exercice pour travailler à la fois les fessiers et le bas du dos. À bientôt!